Yup, yup tout le monde, on se retrouve pour la nouvelle vidéo bilan. Alors je prends au passage le petit cristal. Cristal gratuit, je suppose. Ah non, peut-être cristal du jour. Non, cristal gratuit. Hop! Et on va aller récupérer tout ça. Il y a pas mal de belles récompenses à récupérer, notamment de lundi à jeudi. Alors on va prendre tout ça. On va aller là-dedans et on récupère tout. Que 139 récompenses, ça montre que j'ai rien fait ce week-end. Désolé pour la petite inactivité hein, là, de 2-3 jours, mais. Week-end ultra chargé, enfin, c'était même pas prévu en plus. J'étais en week-end jeudi en plus, donc je m'attendais à pouvoir faire pas mal de choses. Et bah voilà, le fait de revenir un jeudi, vendredi, je me suis fait pas mal de choses, samedi aussi. Et tout s'est enchaîné, j'ai rien pu faire. Donc ne serait-ce même qu'en jeu, hein, j'ai pas touché aux arènes ce week-end malheureusement. Donc voilà, on fait ce qu'on peut. Mais bon, on va dire que j'ai bien compensé avec la période de lundi à jeudi. Alors, bon voilà, vous voyez qu'il y a pas mal de petites récompenses comme par-ci par-là. Surtout les insignes de combat font plaisir. Et les SCH gagnés grâce à l'arène 5 étoiles. Où je suis encore allé chercher le. Comment ça s'appelle? Le petit cristal de. Comment dire? Le petit cristal 4 étoiles de personnage de 2016-2017. Vous avez vu au passage quelques récompenses de l'arène 2 étoiles aussi que j'ai terminé, que j'avais terminé en live le. Comment ça s'appelle? Le mardi. Ce qui fait qu'il y a pas mal d'éclats 5. Donc on pourra normalement ouvrir un cristal 5 cette semaine. Pour enchaîner là sur tous les openings de 2019 hein, qui sont plutôt pas mal. Voire très très bien, 4 God tier et un éveil très intéressant. Donc voilà. Alors, là on est toujours sur la période de lundi à jeudi, donc là on doit être 3 jours. On doit être sur jeudi, donc on devrait pas tarder à voir les petites récompenses. Quand même pas mal de choses à récupérer cette semaine, hein, malgré une grosse inactivité de jeudi à dimanche. Mais voilà, ça montre quand même que même en se donnant qu'un tout petit peu d'activité, on peut se faire quelques récompenses bien sympathiques. Voilà les récompenses que je voulais voir. Les petites 4000 éclats 5 qu'il y a, ouais, qui m'amènent pile à 10 000. Donc le petit cristal inoubliable dont j'aimerais tirer le petit, comment il s'appelle, Black Panther Civil War. Et les 200 éclats 6 qui font plaisir aussi. Ah, puis il y a eu pas mal d'éclats 5. Ah bah oui, le jeudi, il y a pas mal d'éclats 5 hein, avec le pays et quelques autres trucs qui se terminent. Donc c'est cool. Voilà. Alors, on va essayer de récupérer ça rapidement. Il y a eu aussi l'arène de Kata basique. Moi, bon, j'ai déjà récupéré les deux Kata pour un up. Mais ouais, il y a eu aussi l'arène Kata basique. Vraiment une bonne semaine, malgré pas forcément une grosse activité. Mais en tout cas, ça m'a montré que faire l'arène 5 étoiles, c'est très tendu. Hein. Faire l'arène 5 étoiles en semaine, c'est trop tendu. Je pense pas que je vais réitérer. Surtout que là, fallait faire 14 millions pour aller chercher les 4000 éclats 5. On va y réfléchir. On va y réfléchir si on la refait, parce que c'est très dur. Hein. Donc on verra. Surtout que faire 6 millions 5, c'est pas compliqué. Une série de 5 le matin, une série de 5 le soir. Alors que 12 millions 5 ou 13 millions, ça m'oblige de jouer les 4 et surtout ça m'oblige de jouer les 5 matin, midi et soir. À des heures précises, parfois je suis en cours, donc c'est un peu tendu. Alors, on a récupéré les récompenses de Marvel Insider au passage, qui datent du mois dernier. On va pas tarder à recevoir normalement les récompenses de cette semaine. Est-ce qu'on prend ça? Ouais, on prend. Hop. Alors, 789 unités, on s'en est fait que 300. Bah, j'ai pas fait tant d'arènes que ça, j'ai rien fait en quête qui rapporte, donc c'est tout à fait normal. Bon, l'or, on s'en fout. 284 000 d'insignes. Bah, ça paye l'arène 5 étoiles parce que j'ai fait plus de 200 séries à chaque fois, donc ça paye fortement. Et puis pour le reste, on s'en fout un peu. Et on peut noter, n'empêche, les 13 000 artefacts. Normalement, la prochaine session, j'en aurai un. Mais j'en ai quand même raté deux hein, avec tous les donjons que j'ai ratés. On va voir les petits cristaux. On va voir les petits cristaux. Faudrait que je reprenne mon tableau pour savoir d'une semaine à l'autre combien j'en ai eu. Donc quasiment 12 000 d'éclats 5. Donc une semaine à plus de 10 000, hein, mais bon, il y a eu l'arène là qui rapportait 4 000, il y a eu l'arène 2 étoiles, donc forcément c'est assez incroyable. Les super-héroïques, on est pas mal, sachant qu'il y en a qui sont déjà construits dans l'autre partie des cristaux, hein, donc voilà, ça paye les arènes. 3 étoiles et 4 étoiles, ça monte pas mal.
Et 6 étoiles, bon, bah, on est à 3008, hein. C'est uniquement grâce aux arènes ces derniers temps, puisque je me suis classé deux fois dans l'arène 5, plusieurs fois à 6 millions 5, ce qui rapporte quand même sans éclat 6, c'est pas négligeable, hein, quand on les additionne au fur et à mesure, c'est toujours ça de prix. Et bon, là, il va falloir que je me mette à un coup pour en choper d'autres, hein, surtout que j'ai pas fini le précédent un coup, donc celui-là, il va falloir que je le réussisse. Alors, j'essaie d'ouvrir mon profil, mais il veut pas. Voilà, 674 000 en puissance de héros, on est bientôt à 700 000. Le profil n'a pas changé depuis la semaine dernière. Et en termes de victoire PVP, on est à 81 000. Hein. J'en ai fait à peu près 800 cette semaine, je pense, un truc dans le genre. En termes de classement, est-ce qu'on a bougé? 25 000. Ouais, c'est de mémoire à peu près où j'étais la semaine dernière. Là, ça remonte quand même un peu à loin, mais ouais, ok. C'est de mémoire à ce à quoi moi j'étais la semaine dernière, donc très bien, ok. De toute façon, ça va se voir avec le région FR. J'étais vers les 800, bah, toujours vers les 800, donc j'ai peut-être un peu baissé ou un tout petit peu monté, mais ça ne doit pas se jouer à grand-chose. Donc très bien, très bien, très bien. Bah écoutez, voilà, bilan plutôt positif pour une semaine où j'ai pas joué le week-end. Normalement, c'est le week-end qu'on a le temps. Mais très positif, surtout que j'ai encore pu me classer dans l'arène 5 étoiles. Donc c'est cool, ça fait du bien, surtout que c'était 4000 éclats 5 quand même. Et le petit cristal bonus, hein, même si là c'est pas terrible. Mais c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Et les 200 éclats 6 aussi. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo bilan. Et sinon, on se retrouve rapidement sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Bonne fin de week-end.